Et du coup, voilà, finalement, j'ai préféré, au lieu de vous écrire une leçon, plutôt faire un schéma. C'est peut-être mieux, déjà, vous arriverez peut-être mieux à retenir, et puis vous pouvez faire des petits dessins. Pour le grossiste, vous pouvez dessiner aussi l'exemple du gros, comment ça s'appelle, la société de grossistes à Strasbourg, là, avec les gros silos à blé, dans lequel il y avait les graines, des entrepôts et tout, enfin les énormes. Voilà. Je sais pas, voilà. Détaillant, du coup, je vais pas vous demander de dessiner Leclerc ou Auchan, mais bon, voilà. Quoique, si vous voulez, allez-y. Et le client, du coup, vous. Voilà. Et du coup, ça, c'est le circuit long. Du coup, on a le producteur, le grossiste, le détaillant ou le distributeur, c'est la même chose. Et le client. Et circuit court, du coup, on a le producteur, le distributeur, le client. Et circuit ultra court, le producteur, le client. Il y a aussi les intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui sont entre le producteur et le client. Inter, ça veut dire entre. Intermédiaire, du coup, médiaire, je crois que ça vient de milieu, médian, milieu, je crois. Intermédiaire, c'est ceux qui sont entre au milieu. Du coup, il y a le grossiste, le distributeur. Là, entre le producteur et le client, et le distributeur. Voilà. C'est bon, on est bon, on a fait une bonne leçon, j'espère que vous avez appris des choses. Et on se retrouve tout de suite pour le silence on lit. Vous verrez, c'est un silence on lit un peu en allemand, ça va être drôle. Et voilà, à tout de suite.